Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pépette pour notre première vidéo tuto. Comment avec une baguette toute dure, on peut obtenir un pain chaud et moelleux comme qui sortirait de chez le boulanger. On en profite que notre voisin soit sorti faire des courses pour monter le son et vous faire cela en musique sur un air de Jean-Jacques Goldman. Quand la musique est bonne, et c'est parti! C'est le jour 6 du confinement. Le pain est dur comme du béton. Je pourrais sortir chez le boulanger, mais je risquerais de le contaminer. J'ai une astuce à cette impasse. Une recette toute simple et efficace. Je vous la livre, à vous de voir. C'est un début pour une autre histoire. Quand la baguette est dure, 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 dure. Quand la baguette cogne, 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 cogne. Quand le pain est perdu, et plus de faux super U. Quand la baguette est dure, 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 dure. Quand la baguette cogne, 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 cogne. Quand le pain est perdu, et plus de faux super U. Vous ouvrez l'eau du robinet à fort débit, sans hésiter. Le four préchauffe pendant ce temps. 180, chaleur tournante. Vient le moment de la mouiller pour qu'elle soit vraiment bien trempée. Et vient le temps de l'enfourner. 10 minutes, elle sera parfaite. Quand la baguette est dure, 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 dure. Quand la baguette cogne, 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 cogne. Quand le pain est perdu, et plus de faux super U. Quand la baguette est dure, 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 dure. Quand la baguette cogne, 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 cogne. Quand le pain est perdu, et plus de faux super U. Merci pour votre écoute. On a espéré s'être adressé à tout le monde, ceux qui ont du pain dur, ceux qui n'ont pas d'œuf, ceux qui sont en galère pour commencer la journée avec leur petit déjeuner. Voilà, nous vous remercions pour votre attention sur ce premier tuto en espérant qu'il vous ait été utile. Nous vous attendons pour les prochaines vidéos qui n'existent encore pas. Voilà, nous vous remercions, vous souhaitons une bonne journée, des bons petits déjeuners, un bon confinement et à bientôt peut-être!